Ok, on passe à la proposition de valeur. J'ai assez groupé donc le seul cabinet international qui est implanté en Roumanie. Est-ce que Jérôme, tu peux nous expliquer ce que du coup ça comprend comme avantage pour les entreprises avec qui on travaille sur ces sujets? Alors effectivement, je crois que c'est un sujet important que je me permets de reprendre, Baptiste. C'est effectivement aujourd'hui JAC est le seul cabinet de conseil donc sur toute la chaîne de l'innovation présent en Roumanie. Donc, évidemment, on capitalise sur nos différents pays, nos différentes implantations pour mener ces activités en Roumanie. Mais aujourd'hui, on est plutôt les seuls à être capables d'évaluer l'éligibilité de vos projets. Alors, on est le seul capable à évaluer les dépenses associées donc aux activités éligibles. Et puis, on est aujourd'hui le seul capable à réaliser des dossiers donc justificatifs solides sur la partie technique et sur la partie financière pour bien sûr constituer la documentation en cas de contrôle. Donc, ce que l'on fait, c'est que on intervient bien sûr sur l'amont et sur l'aval, que ce soit en termes de diagnostic d'éligibilité, de traçabilité des données, notamment le pointage, et on intervient en aval par les activités notamment de constitution des dossiers justificatifs pour l'administration. Est-ce que Jérôme, tu peux nous expliquer quels sont les atouts de GAC Group pour les projets D&RD de nos clients implantés en Roumanie? Alors, le premier atout, déjà, c'est effectivement qu'on capitalise sur les différentes implantations du groupe et donc que l'on connaît très bien les différents critères d'éligibilité des activités techniques, comme on connaît très bien aussi les problématiques classiques de traçabilité des données donc financières, du pointage, de la comptabilité. Un élément important, c'est que, alors, d'autant plus en Roumanie, où il y a encore parfois une logique de silo par rapport aux fonctions. Une des valeurs ajoutées très fortes de GAC, c'est d'être justement à l'interface entre la technique, le juridique, le fiscal, le financier, et donc d'apporter de la valeur à l'entreprise parce qu'on se place à l'interface de ces métiers-là. Donc, ça, c'est une valeur importante. Ensuite, bien sûr, un des atouts, c'est de pouvoir vous accompagner de bout en bout sur le processus, c'est-à-dire de l'audit des projets jusqu'à l'assistance à cas de contrôle, en passant par construire des dossiers techniques et financiers solides pour vous, bien sûr, vous rassurer dans la démarche. Ensuite, GAC Group en Roumanie, c'est aussi tout un écosystème pour aider les entreprises à s'implanter et lorsqu'elles sont implantées, à apporter de la formation pertinente. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ce slide? Oui, bien sûr. Alors, ISAF, en l'occurrence, c'est une société roumaine donc qu'on accompagne sur le dispositif. À côté, vous avez donc une université, l'USAMV, qui notamment intervient sur tous les domaines, on va dire, du vivant, avec qui on travaille donc pour se positionner très en amont des contrôles, donc si elle devait en réaliser. On a rencontré déjà plusieurs personnes du ministère de la Recherche donc en Roumanie, notamment pour discuter de quel va être le rôle de l'expert scientifique dans les contrôles fiscaux, et puis de s'assurer très en amont de leur intervention dans les contrôles. On travaille avec, bien sûr, beaucoup d'organes, on va dire, français de Roumanie, que ce soit le consulat ou la CCI française en Roumanie. Et puis, on est déjà un acteur de la Tech Station à Bucarest, qui est, si vous voulez, un petit peu la station F de Niel à Paris. Ben, c'est la Tech Station à Bucarest. Donc, c'est effectivement un ensemble c'est un incubateur de start-up dans le domaine de l'IT sur Bucarest. Donc, nous sommes acteurs de ce réseau-là.